Salut les barbus, c'est Turial et aujourd'hui on va s'intéresser aux créations de listes pour Astraïs. C'est le deuxième volet d'apprendre à jouer à Astraïs. Si vous avez loupé la première vidéo de Les Profils, je vous conseille de cliquer sur la notation en haut à droite qui s'affiche car vous aurez besoin des informations de cette vidéo pour bien apprécier les règles que nous allons voir ici. Vous avez vu la vidéo sur le profil? C'est bon? Allez, on y va alors. Dans Astraïs, chaque joueur doit composer son groupe de combattants, c'est-à-dire les figurines qu'il aura décider d'aligner pour la partie en respectant certaines conditions. Seigneur de guerre, un seul seigneur de guerre est autorisé. Les personnages nommés, un seul exemplaire du personnage nommé est autorisé. Héros, 50% des points du groupe de combattants maximum. Créature monstrueuse, 50% des points du groupe de combattants maximum. Créature gigantesque, 50% des points du groupe de combattants maximum. Machine de guerre, 30% des points du groupe de combattants maximum. Élite, 70% des points du groupe de combattants. Régulier, aucune restriction. Mercenaire, un mercenaire par tranche de 100 points. Les seigneurs de guerre et le chef de la bande. Il ne peut n'y avoir qu'un. C'est noté dans le profil de la carte. Il est à noter que l'on peut ne pas avoir de seigneur de guerre, ce qui peut avoir des répercussions sur le jeu, notamment sur la phase stratégie. Mais en contrepartie, on donne moins de points de victoire à l'adversaire. Le seigneur de guerre donnant un nombre de points de victoire égal à son rang, mais nous y reviendrons plus longuement dans une vidéo dédiée à les barbus. Les personnages nommés sont uniques, ce sont des personnalités emblématiques du monde. Il y a de grandes chances que ce soit des héros, du point de vue des règles. Quand on voit Rarg et Undine, les deux personnages uniques des kobolds, ils marchent par pair, et franchement pour l'instant, niveau kobold, je ne vois pas comment m'en passer. Il faut donc changer radicalement le mode de fonctionnement de ma bande, car leurs capacités spéciales vont m'obliger à jouer groupé, pour leur donner un maximum de soutien de leurs comparses. Les héros sont des personnages hors normes, on ne peut pas en avoir à hauteur de plus de 50% dans une bande. Ils sont le fer de lance de la stratégie que vous allez mettre en place, ce sont souvent les plus puissants combattants de votre faction, faites-y attention. Les créatures monstrueuses et gigantesques sont souvent des brutes épaisses surpuissantes, comme le Minotaur par exemple, qui peuvent déchaîner une force de frappe impressionnante. Les machines de guerre, pour l'instant, il n'y en a pas des machines de guerre. Mais elles sont déjà prévues pour la suite. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire pour les kobolds. Élite, les troupes les plus puissantes de votre faction. Mais du coup, elles ne peuvent pas être aussi nombreuses que les troupes régulières. Mais 70% on a de quoi faire. On prend 2 héros et le reste en élite. Ça reste raisonnable au niveau restriction. Régulier, troufion de base, c'est la base de la base. Souvent moins cher, mais moins puissant que les troupes élites. On peut en prendre jusqu'à 100% de la bande. Mais pas sûr qu'on puisse vraiment faire une liste cohérente et fun avec que des troupes régulières. Enfin, on a les mercenaires qui ne sont pas de la faction que vous utilisez pour faire votre bande. On peut en avoir qu'un personnage mercenaire par tranche de 100 points. La taille standard pour faire des listes est 300 points, ce qui nous donne de quoi faire. En gros, le starter nous donne 200 points. 300 points, ça nous permet d'avoir 5-6 figurines avec un gros monstre et des héros, ce qui nous permet pas mal de compositions. Concernant la création de listes propres, je pense qu'à Astraïs, comme beaucoup de jeux d'escarmouche, il faut trouver une tactique et accentuer les points forts de la faction. Pour prendre l'exemple des kobolds, on sent que la faction n'est pas individualiste, cherchant à combattre les ennemis en groupe. Certains personnages sont fourbes, comme le chevaucheur de Tatou, qui va balancer des attaques sans être au contact. D'autres vont avoir des capacités spéciales dès qu'ils se trouvent au contact avec plusieurs de leurs compagnons d'armes, comme Rag et Undine, ou le cannibale. Je pense donc que je vais accentuer ce point fort en prenant une bande populeuse avec Undine et Rag, plusieurs assassins pas chers, le sorcier et le cannibale. Et s'il me reste des points, prendre un mercenaire puissant pour s'occuper du seigneur de guerre adverse, ou Zygomar le Gros, mais lui, il est très très cher. Bref, vous l'aurez compris, je vais accentuer les points forts de la faction, le combat de groupe, en minimisant son défaut, la fragilité de ses combattants, en bloquant le seigneur de guerre adverse avec un gros monstre. La deuxième chose importante à Astraïs est l'équilibre entre puissance et rang. Pour rappel, la puissance nous donne le pool d'actions à attribuer et le rang, le nombre de maximum d'actions que l'on peut affecter à un personnage. Il est donc important d'avoir un bon équilibre entre les deux caractéristiques pour ne pas se retrouver à court d'actions à attribuer. Mais l'inverse est vrai, si on a beaucoup de puissance et peu de rang, on va avoir certains pools de dérenforcement forts, mais votre adversaire, s'il a une bande équilibrée, agira plus souvent que vous, pouvant ainsi tuer vos personnages, vous en perdre de la puissance, etc. etc. C'est donc une donnée importante à prendre en compte quand vous faites vos listes, les barbus. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimée, à me poser vos questions dans les commentaires, à la partager massivement pour faire connaître Astraïs,
à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification pour recevoir des alertes de nos futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt les barbus et que le poil soit avec vous.